dans les quatre coins du pays et dans la diaspora. Je vois un gros coup de chapeau pour nous toutes. Je vais annuler le voyage que je suis supposé faire dans le pays des États-Unis pour participer à la 74e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Je fais ça. C'est pour me capable d'adresser le problème qui a frappé le pays. Je veux parler avec nous aujourd'hui sur la conjoncture politique, économique et sociale. Nous connaissons, depuis quelques temps, Haïti a traversé une situation qui m'a loué en pile. La misère a taillé le monde. Chômage, insécurité avec la troublée politique, empêcher tout le monde d'aller à l'école et puis paralyser l'autre activité. Événement ça a des mauvaises conséquences sur la vie nous, avec la vie petite nous. Nous connaissons des citoyens qui vivent au jour le jour. Ça veut dire, ils doivent sortir chaque jour pour jouer une kishoy, pour mettre dans la caille pour que les gens manger. Nous connaissons tout. L'avenir pays a dépend de bons gens plein d'instructions pour bâtir les gens. Mais il y a une pensée spéciale pour chaque monde, chaque famille, chaque entrepreneur, petit coucou, chaque citoyen qui est victime en bas de l'insécurité, a crasé, brisé, dernier temps ça. Les administrations publiques ont marché au ralenti. DGI et la douane fermée. Ces moyens, l'État n'a pas gagné pour aider une bonne partie de la population qui en a besoin. Il y a un pile de besoin qui n'est pas qu'à temps. Par exemple, problème de la mangeaille. Permettre maman et papa petit de jouer un petit chocho pour aider les petits pendant l'école. Subvention sous produits pétroliers. Faire l'hôpital et centre santé marché. Payer professeurs et policiers et latriers. Je connais tout. Un pile citoyen dénoncé avec raison. Laisser aller qui gagne dans l'institution qui s'y posait. Collecter l'argent pour l'État. Nous avons déjà commencé à prendre décision pour résoudre ça, pour résoudre gros problème ça. Et en pile des autres, l'institution, ça n'a pas qu'à continuer. Peuple haïtien, j'en ai tout constaté. La situation pays a dégradé depuis quelques mois. À cause des institutions qui l'a poussé à yo, pas arriver à faire travail yo comme ça doit. Pour mettre campé. Il y a un gouvernement légitime qui a répondu à problèmes économiques et sociaux. Et puis, résout tout bon vrai problème d'insécurité. Il faut que la justice fasse travail pour la nation qui vit dans la paix. Sérénité. Moi, j'entendais que le peuple là. Moi, j'entendais et me constater des espoirs. Haïti pas péri. Haïti pas doit péri. C'est pour nous tous ramasser courage. Nous. Mettez main en main. Voyez sous-côté. Tout ça qui divise nous. C'est pour nous embrasser tout ça qui unit nous. Ensemble, nous capables. Ensemble, en nous mettant main pour nous faire crise ça. Tourner une opportunité pour mettre tout bon vrai. Une fois pour toutes, Haïti sur votre développement. Force sociale. Force politique, force économique. Jodia, une autre fois encore,
Moi, longe même à nous. Si nous pas envie, fait ça pour tête nous. On nous fait les pour Haïti. Si nous pas envie, fait ça pour tête nous. On nous fait les pour petit nous. À petit, petit nous. Sous affaire bonne marche institution, yo. Constitution, bam, responsabilité, pam. Qu'elle me doit assumer, qu'elle m'a pas assumé. Pendant ma reconnaître responsabilité branche pouvoir législatif, ak pouvoir judiciaire, on nous chita ensemble, on nous coopérer pour bâtir Haïti nouvelé. Peuple haïtien, peuple, m'a parlé à vous, réveillez-vous. Si violence a crasé, brisé, te ka bâti Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si retirer corps, mettez pam, te ka bâti Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si crasé bien moun, si détruit la vie moun, si empêcher ti moun aller l'école, te ka bâti Haïti, on t'a bien fait ça déjà. Si attaquer bien moun, ak bloquer route, t'es à retirer peuple dans grand goût, nous tapons bien temps fait ça déjà. Depuis plus passé 30 années, c'est ça seulement à faire. C'est peut-être ça je dis. Mais viens dire, on fait l'autre bagaille. L'autre bagaille là, c'est garder une autre manger. L'autre bagaille là, c'est juste ensemble pour nous faire un accord sur des accords. Pour nous faire une entente sous mes ententes, nous tous remets Haïti. Nous tous bien plan pour développer Haïti. Nous tous bien plan pour délivrer Haïti. Nous tous pensons, si nous tenons en place l'autre, nous t'a fait plus bien passer. Je dis, on nous mettait tout plan ça sous table là. On nous trier tout ça qui est bon là-dedans. Yo. On nous mobilise tout le monde. Femmes vaillantes, garçons vaillants, qui n'ont mis en nation. On nous mette tête nous, avec force nous, au service pays nous. Haïti chéri, que nous aimons pile. Haïti attend de nous d'être de véritables patriotes. Aujourd'hui, soyons les rédempteurs de la nation. Inscrivons à l'encre indélébile une nouvelle page d'histoire de cette glorieuse nation. Les racines historiques des malheurs qui s'abattent sur nous aujourd'hui sont profondes et vivaces. Nous pouvons les conjurer. Nous devons les conjurer. Ayons le courage d'oser nous unir. Ayons le courage de rejeter les pratiques qui ont nourri nos adversités. Le devoir de la refondation nationale nous incombe. Mes chers concitoyens, je vous demande une trêve historique pour entamer les réformes institutionnelles, sociales et économiques indispensables au développement national. Je me suis promis de ne pas répondre à la violence politique par la violence. Je réponds à la violence politique par le dialogue. Je me suis promis de ne pas répondre à la violence politique par la violence. Je réponds à la violence politique par le dialogue. Peuple haïtien, moi pas répondre violence avec violence, m'a répondre violence avec dialogue. Haïti, c'est pour nous. Nous pas un pays de rechange. Quelle que soit l'autre nationalité, nous t'apprend. N'a toujours été haïtien. Quel que soit côté nous aller sur la terre, Haïti a toujours été dans Ken. Ça qui attache nous à Tessa, ça qui attache nous à Kilti, ça
puis vous passez tout ça qui divise. Mais voulez pour nous pas jamais oublier ça. C'est peut-être ça. M'a demandé nous fait tout effort nous capable pour nous mettre pays ça sur route changement tout bon voyez. Mais passer premier ministre la paix instruction pour prendre disposition pressée pour résoudre gros problèmes qui gagnent dans chaîne sécurité intérieure pays. Premier devoir de l'État, c'est sécuriser la vie et bien. C'est pour nous prendre toute disposition pour la vie qu'elle prend dans le pays. Je demande au Conseil supérieur salaire, lever pied, sous cause du salaire minimum pour travailler et travailler. Car aller en souffle. Mes chers compatriotes, après de multiples tentatives, nous avons constaté que le Sénat n'est pas en mesure de remplir ses obligations constitutionnelles afin de doter le pays d'un gouvernement légitime ou de refuser, suivant les formes admises par les lois de la République, et les principes démocratiques, la déclaration de politique générale de deux gouvernements successifs. En 7 mois et en 6 séances à voter, j'en prends acte. Haïti, c'est pour nous. Nous avons obligation pour assumer responsabilité nous devant la nation et devant l'histoire. Bye nation pour nous chita ensemble, pour nous former un gouvernement d'union nationale qui a capacité et légitimité pour adresser ensemble le problème hygiène pays à traverser. Problème yon en pile, élection. Constitution, rendre compte sur qui j'en l'argent l'État dépense. Réforme dans les affaires identité. Réforme dans la cause énergie. Réforme crédit pour booster production nationale. Réforme dans les affaires infrastructure. Et en pile l'autre question qui seul un gouvernement d'union nationale est capable d'adresser. Mais pas courir devant responsabilité. Moi, pas courir devant chai qu'on va me porter, peuple là. Jeunesse là. Jeune femme, jeune garçon. Chai la loup. Mais c'est nous qui va me porter. Mais je dis, moi, j'ai une nation que moi, besoin d'aide. Jeunesse là. Besoin d'aide nous. Moi, pas d'accord. Moi, pas jamais d'accord. Situation précarité frem ak sem yo ap viv. Mwen pa d'accord. Mwen pa jam d'accord. Pour fatra ak désolation sima et tribo babo. M'a fait appel à collectivité a. Magistrat yo, kazek yo, azek yo ak délégué ville yo. An nou met men ensemble pour aller chalbare deye fatra. Nous connaissons en politique, ce n'est pas toute action posée qui va avoir résultat tout de suite. Même j'en tout. Nous connaissons un pile problème population, mais des résultats pour eux tout de suite. On travaille ensemble, on nous lutte ensemble pour Haïti nous réveiller, qu'à tourner en réalité. Je finis pour me dire nous, pas de cause personne qui est plus important parce que cause peuple, pas de intérêt personnel, pas de passe-coute cap cabalcade chemin développement peuple haïtien, chemin développement ça que peuple a décidé pour pays à poser cette yo à le marché ensemble. Vive peuple haïtien. Vive Haïti.
publiquement pays en cité dans date 14 d'août dans Grécier dans occasion cérémonie graduation premier classe soldat officier à la médaille Tio après plus passé un mois silence président Jovenel Moïse finalement adressé la nation dans la nuit hier pour l'ouvrir matin en un message préenregistré ça qui diffusait matin sur télévision nationale et nous fait reprendre là pour matin dans journal la Gaïen a rappelé président Jovenel Moïse lui proposé pour former un autre gouvernement pour remplacer gouvernement Fritz William Michel là un gouvernement union nationale avec participation différents secteurs dans la vie nationale là occasion pour chef l'état dans un message ça mandé yon trêve dans un moment côté protestation yo continue la oui a continué bloqué et la vie est paralysée dans le pays depuis environ 2 semaines moins promettre moins pour me répondre à violence politique là pas dialogue nous t'as cité président Jovenel Moïse qui pas entendre quitter pouvoir Jean opposition l'a préclamé ça puisque les faits qu'on c'est pas retirer mettre ni craser briser ou bien empêcher Timon à l'école n'a privé construit pays sinon ça t'a fait depuis 30 dernières années ça yo président Jovenel Moïse n'a pas rappelé qu'il dit le passé instruction à Premier ministre Jean-Michel Lapin pour prendre toute disposition pour résoudre problème sécurité à dans pays à président Jovenel Moïse dans message ça à haïtien au lever avec lui et matin lui souligner lui prend acte si c'est séance qui a voté dans Sénat pendant présentation déclaration politique générale de Premier ministre lui déjà nommé devant situation ça lui dit longer doit être à toute force vive nation pour former ça les gouvernement Union nationale là pour adresser problème urgent pays les cités élections constitution réforme nan, et question énergie et président fini pour le dire pas gain aucune cause à intérêt qui puis important par ces populations non adresse ça qui vivait dans moment côté nous connaît déjà manifestation yo il y a continué dans pays pour demander Jovenel Moïse quitter pouvoir et nous activité yo il aurait été paralysé jusqu'à hier l'école transport public commerce là il n'a pas fonctionné comme ça droit oui bon nous seulement rappeler monde pour que pas fait zone monde aussi puisque il y a l'huile qui lagué dans monde ça donc tout monde qui probablement avait sorti ce matin pas fait zone aussi puisque il y a l'huile qui est laguée dans Monsa. Ouais, première réaction, nous guerriers sur adresse à la nation chef l'État, c'est d'abord secteur démocratique et populaire qui voyait jeter toute possibilité de dialogue avec président Jovenel Moïse pour y réformer un gouvernement union nationale. Jovenel Moïse, c'est un chef l'État-nation rejeté. Nous pas demandé travail, nous pas besoin de job. Solution, crise politique pays a fait face actuellement à passer d'abord et avant toute bagaille, pas démission. Jovenel Moïse, réalisation procès, Petro-Caribéa avec l'autre cas corruption et puis organisation conférence nationale souveraine pour jeter et base un nouveau projet social l'intérêt toute couche sociale nation d'après maître André Michel hein oui, maître, André de Michel secteur démocratique là avec nous maître André Michel bonjour. Bonjour guerrier, bonjour Pierre Runel, bonjour Bob même s'il n'est pas encore là. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Caraïbes. Bonjour toute partisan secteur démocratique là. Bonjour tout groupe qui sient alternative tête ensemble pour rebâtir Haïti là. Et m'a commencé par voyer solidarité nous sympathie nous par la population Saint-Marc là parce que hier à Saint-Marc il y a eu pratiquement un massacre, plus de 11 personnes ont été blessées par balle à l'occasion d'une manifestation pacifique de l'opposition pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Il y a des personnes qui ont été arrêtées également à Saint-Marc, mais il y a des gens qui ont arrêté tout dans tout le pays. Nous exigeons leur libération, notamment ce jeune Petro Challenger, si Germain, qui a été arrêté dans l'air du champ de Mars. Ça passe à Saint-Marc la grave. Nous recueillons les informations et une plainte sera portée le plus vite possible contre les policiers qui ont perpétré ce massacre à Saint-Marc. Oui, je t'écoute. Président Jovenel Moïse dit c'est pas dans craser brisé non retirer n'a privé résoudre problème pays donc réaction nous claire déjà hein, nous rejeter appel chef l'état lancé puisque il mandé nous dialogue donc nous pas dans dialogue nous-mêmes. Moi crois que j'ai Jovenel Moïse cherche en pile. J'ai monsieur cherche en pile. Si Jovenel Moïse jodi a il doit parler de mission population en Bali, c'est que je le cherche en pire. Parce que sorti 17 octobre 2018, passé 18 novembre, arrivé 22 novembre,
passé 7 février, arrivé 22 février, passé dans le mois de juin, ça qui a passé dans le pays aujourd'hui, après plus passé 12 jours de mobilisation, il est clair que le peuple haïtien a rejeté Jovenel Moïse comme chef d'État. Le peuple haïtien ne veut plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. Et aujourd'hui, la principale revendication du peuple haïtien, c'est la démission de Jovenel Moïse. L'autre revendication, c'est procès Petro-Caribé, procès massacre La Saline, et l'autre revendication, son transition de rupture qui est différente de ce qui était fait avant yo, et une revendication peuple à porter tout, c'est la conférence nationale haïtienne souveraine. Ça veut dire que Jovenel cherche en pile, Jovenel Moïse doit comprendre qu'il est un chef d'État rejeté par la population et il n'y a aucune possibilité pour l'opposition politique réelle de s'asseoir avec Jovenel Moïse pour essayer de mettre en place un quelconque gouvernement d'union nationale. Nous ne sommes pas des demandeurs d'emploi, nous ne sommes pas chercher travail. Jodia, crise l'a dépassé, mon qui dit yo c'est leader politique. Le peuple haïtien a décidé et la décision du peuple est claire. Le souverain a tranché. Le souverain, c'est le peuple haïtien qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'est levé dans toute la République, dans toutes les communes, dans toutes les sections communales, dans tous les départements géographiques du pays pour exiger la démission de Jovenel Moïse. Pour nous, autres du secteur démocratique et populaire, et c'est valable pour les autres signataires de l'alternative consensuelle, il n'y a aucune possibilité de discussion avec Jovenel Moïse pour la mise en place d'un quelconque gouvernement de transition. La solution à la crise politique actuelle doit passer d'abord et avant tout par la démission de Jovenel Moïse. Et c'est ça qu'on voit hier, cité mardi 24 septembre 2019, là, la branche institutionnelle de l'opposition, appuyée bien sûr et supportée par le secteur démocratique et les autres groupes signataires de l'alternative consensuelle, ils ont déjà bas en conférence de presse pour demander pays, demander population, hein, pour lever, camper vendredi 27 septembre 2019, là, pour exiger la démission de Jovenel Moïse, pour obtenir la démission de Jovenel Moïse. Et je dis à moi, je voulais lancer un appel matin, hein, à secteur privé, hein, pour comprendre que le peuple haïtien ne veut plus de Jovenel Moïse comme chef d'État. Et que chaque fois Jovenel Moïse passait deux jours, trois jours en plus au pouvoir, c'est tant qu'il y a possibilité pour pays à rentrer dans une situation de chaos incontrôlable. Moi, je voulais adresser à mon qui est dans la classe moyenne, l'autre monde qui peut rentrer dans la mobilisation, hein, pour rentrer dans la bataille là, parce que par une autre issue qui est possible, le combat doit continuer et la solution passe par la démission de Jovenel Moïse. Jovenel Moïse aujourd'hui, c'est du charbon. L'illumin au moyen au boulet, l'ipalumin au moyen au sali, à l'absalo, pas gen rien du tout ou capable de faire avec Jovenel Moïse. Pas gen aucun monde aujourd'hui qui gen mandat dans mes populations, hein, pour aller discuter avec Jovenel Moïse, pour aller parler de questions de gouvernement. Et c'est là que je trouve M. Cheikh en pile, je trouve M. Rizez en pile comme président. Oui, donc, on dit pas gen personne monde qui baille et Jovenel Moïse, en fait, qui baille opposition, hein, c'est ça? Mandat pour aller discuter avec lui. Écoutez, guerrier, les revendications du peuple, ce sont les revendications exprimées à travers les rues. Regardez ce qui a passé dans le pays là, ou même ce qui s'est passé le 17 octobre en termes de mobilisation, ce qui s'est passé le 20 septembre, vendredi 20 septembre, jeudi à la 2019. Côté opposition, hein, lance un mot d'ordre de mobilisation. Peuple la répond massivement. Ça qui s'est passé dans le pays avant hier, je vous sais ensemble. Côté peuple la descend dans le Parlement, à le supporter sénateur opposition. Peuple la sorti cité soleil. Ils ont dit tout côté le prend la rue. Et le poté, ils ont une revendication qui est claire, qui c'est la démission de Jovenel Moïse. Bon, si on même on a conseillé un monde qui est dans la politique, en ne supposant pas de journaliste, mon tape dit mon champ, on doit le négocier question pouvoir avec Jovenel Moïse. Il est clair, personne ne peut aujourd'hui s'arroger le droit d'aller s'asseoir avec Jovenel Moïse pour discuter autour de la formation d'un quelconque gouvernement d'union nationale. Personne n'a ce mandat parce que le peuple a très clairement exprimé ses revendications. C'est un, démission Jovenel Moïse. Deux,
procès Petro-Caribe, procès massacre à Saline et des autres cas de corruption. Et finalement, en conférence nationale souveraine pour jeter les pas de l'émergence de nouveaux projets de société. Et c'est ça qui est plus important, comment pour construire le pays, construire l'État capable de la sécurité, construire l'État capable de rassurer tout le monde pour qu'un travail qui crée dans le pays pour jeunes garçons avec jeunes femmes, construire l'État capable de nos éducations de qualité pour nous construire un pays à intérêt de tout le monde. Mais question négociée à jour, question gouvernement, franchement, celui-là ne rentre pas dans la dynamique. Bon, mais attendez, Michel, ou même précisément, donc, ou à combattre Jovenel Moïse depuis avant le président, depuis la campagne, problème profond ou avec l'équipe s'allier. Écoutez, mais je dis, question ça, je pense que c'est une belle question, mais la vérité, il est clair. Tout le monde qui t'a combattu Jovenel Moïse, tout le monde qui t'a commencé à combattre Jovenel Moïse, je dis à tout le monde, ouais, qui ça Jovenel Moïse fait? Qui ça Jovenel Moïse fait? Le bilan de Jovenel Moïse est là. Ou inflation qui autour de 20%, ou gagne en corruption cap valet terrain, ou un chef d'État cap fait obstruction à la justice, qui parle la justice fait procès Petro-Caribe. D'ailleurs, monsieur est en France, monsieur dit que la bloqué procès Petro-Caribe. Là, ça, moun pot kokon pour qui ça? Mais quand la Cour des comptes a fait sortir son deuxième rapport sur la dilapidation des fonds Petro-Caribe, nous tous nous comprenons, c'est parce que Jovenel Moïse est dans Petro-Caribe et tout. Je dis à qui sont constatés? Ou constatés où on l'État, qui tourne l'État bandit, on l'État gang, rapport Organisation des droits humains fait, rapport de CPJ fait, montrer qu'il y a une relation entre les autorités de l'État et les assassins, qui ont assassiné petit monde dans le quartier populaire, qui ont violé monde dans le quartier populaire, qui ont volé bagaille monde. Ça veut dire qui ça? Jovenel Moïse, tout le monde gagne de très bonnes raisons pour combattre lui. Il est clair que le type, il ne portait aucun projet sérieux. Il est clair que le type, il n'avait aucune vision pour la bonne marche de ce pays. Voilà, monsieur bon pays, c'est son pays qui mourit, le pays n'a pas fonctionné, la justice n'a pas fonctionné, l'économie ne fonctionne plus, l'État pratiquement disparaît, seulement l'État donnant l'État bandit, on l'État qui a détruit tout ça qui existe dans le pays comme minimum. Il est clair que Jodia, tout le monde qui bat le Jovenel Moïse, il a eu raison. Et le peuple haïtien, Jodia, c'est lui-même qui a fait bataille là. Parce que Jodia, ça a passé là, il a dépassé le secteur démocratique, il a dépassé les sénateurs, il a dépassé. Oui, mais c'est nous qui avons mené la bataille là, en tout cas, maître Michel. Comment? C'est nous qui avons mené la bataille là. Un groupe de monde qui c'est des dirigeants, oui, des responsables. Oui, mais attention. Qui ont orienté la bataille là. Mais oui, tu as raison sur ce point. Effectivement, nous menons le combat. Effectivement, nous sommes des meneurs. Mais attention, ce qui fait la force de celui qui mène le combat, c'est parce qu'il mène le combat dans le sens des intérêts de la population. Le jour où nous avons décidé de faire pas nous, le peuple haïtien va se détacher de nous et nous serons à ce moment-là isolés. Et nous ne ferons jamais ça. Nous resterons attachés aux revendications du peuple haïtien. André Michel. Nous allons continuer à porter les revendications du peuple haïtien. Et je le redis ce matin sur les ondes de radio Caraïbes FM, à un moment où la population est en train de m'écouter, il n'y a aucune possibilité pour le secteur démocratique et populaire et pour les autres signataires de l'alternative consensuelle pour la refondation de l'État d'aller s'asseoir avec Jovenel Moïse pour la mise en place d'un quelconque gouvernement de transition, de salut public, d'union nationale. La solution à la crise passe par la démission de Jovenel Moïse. Nous pas dans bagaille comme ça. Maître André Michel, nous invitons le peuple là pour le descendre dans la rue vendredi 27 septembre 2019 là, n'a sauté dans tout coin en bas la ville, n'a monté Pétionville, n'a monté Pèlerin, nous prenons le fait bataille là. Maître André Michel, le tableau décrit là, montrer que toutes conditions réunies pour Jovenel Moïse, t'as déjà remettre démission. Il y a des gens qui pensaient c'est parce que parti en face t'as pas fait proie. Il y a parlé d'opposition pour faire partie là. Je veux dire, il est clair que l'opposition politique, c'est une opposition légitime. On y garde ça qui passe dans le pays à 20 septembre 2019. 8 septembre 2019, nous lançons une alternative. Bon, situation quand même qui est bah, nous possibilité ça. C'est question gaz, non? Parce que le mouvement de protestation dans la rue a été faibli.
Comment? Non, le mouvement protestation là où il a été faibli, il vient relancer là avec crise qui gagne la question gaz non. Mais écoutez, soyons sérieux. Tout le monde qui connaît ça aurait les batailles et mobilisation, il connaît bien ça la dernière. Tantôt ça monte, tantôt ça descend. Regardez ça qui a passé dans tout l'autre pays côté gain opposition. Mais il est clair que après 20 septembre 2019, côté nous lancions un appel à mobiliser sur toute la République, l'étendue du territoire, et que peuple a descendu dans la rue, on ne peut plus parler d'opposition faible aujourd'hui en Haïti. Et ça qui s'est passé dans le Sénat avant-hier, côté peuple a descendu dans la rue, et à supporter sénateur et continuer à prendre la rue dans toute zone métropolitaine, prendre la rue dans tout le pays. Et aujourd'hui, pendant qu'on a parlé de la mobilisation à continuer, il est clair qu'on sort de symbiose, qu'on sort de synergie, qu'on sort de relation entre le peuple et l'opposition politique. Et c'est ce qui fait notre force. C'est parce que désormais, le peuple, ensemble avec nous, c'est dans la même direction qu'on va aller, c'est le même combat d'appel. Et même si Jovenel Moïse est capable de rester là, jusqu'à présent, parce qu'on supporte de l'ambassade américaine, de la communauté internationale, mais j'ai la conviction que les étrangers finiront par comprendre que c'est fini pour Jovenel Moïse et qu'on ne peut pas continuer à supporter indéfiniment un chef d'État rejeté par son peuple, rejeté par sa population. Et j'appelle les étrangers à le comprendre. Ce matin, c'est fini pour Jovenel Moïse. Jovenel Moïse, c'est un cadavre politique, un cadavre politique, un cadavre. On amène ça au cimetière, quelles que soient ses relations avec ce cadavre. C'est le principe. D'accord. C'est fini. Pas un monde qui est capable de mener pays à notre dynamique gouvernement d'Union nationale avec Jovenel Moïse. Pas un monde qui est capable de quimber Jovenel Moïse au pouvoir encore. Le d'accord. Peuple a tranché. Le peuple est souverain. D'accord. Merci un peu, M. André Michel. D'accord. Merci un peu, M. André Michel. Pas de parole.